Cette fois, c'est donc avec des citoyens non élus qu'il a échangé. Emmanuel Macron face à 200 personnes. Durant plus de 3 heures, le chef de l'État s'est invité à un débat organisé à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. L'occasion de répondre aux questions sur sa politique, mais aussi sur sa personnalité, lui que beaucoup accusent d'être le président des riches. Vous savez, je ne suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, je n'ai jamais lâché le morceau. Si j'étais né banquier d'affaires, vous pourriez me faire la leçon. Si j'étais né avec une petite cuillère dans la bouche ou fils de politicien, vous pourriez me faire la leçon. Ce n'est pas le cas. Donc, je peux vous regarder en face. Vous pouvez ne pas aimer les banquiers. En attendant, vous n'aurez pas de prêt sans banquier. C'est comme ça.